بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تبدأ قناة الدعم التربوي فاطمة الدهاء. بطبيعة الحال الموسم الدراسي الجديد 2020-2021 على بركة الله. إذا سنبدأ بالنسبة للسنة الأولى بطبيعة الحال علمية، جميع الشعب، علوم تجريبية، علوم رياضية وعلوم اقتصادية، فقط لكي تستمر هذه المسيرة المباركة طيلة السنة الدراسية إلى أن ننهي إن شاء الله المقرر بأكمله. إذا شرط بطبيعة الحال لدعم القناة وهو الاشتراك والمشاركة مع الأصدقاء والمجموعات التي أنتم مشتركون بها بطبيعة الحال، لأن القناة بدون دعم وتشجيع إذا بطبيعة الحال سيكون هناك إحباط. إذا ادعمونا لندعمكم. إذا هذه الحصة سنبدأ بالنسبة للخيار فرنسية، والحصة المقبلة ستكون بالخيار عربية. إذا نبدأ بالدرس المهم جدا. va commencer par la première leçon, la logique. La logique c'est une leçon qui est très importante, c'est la base des mathématiques. Donc je vous conseille vivement bien sûr de bien maîtriser bien sûr cette leçon, et bien sûr il ne faut pas commettre une erreur, c'est-à-dire une fois on a terminé la logique, donc vous allez croire que c'est fini. Non, parce que cette leçon qui est la logique, il contient un chapitre, le dernier chapitre qui est très important, bien sûr ce chapitre est les raisonnements mathématiques qu'on va utiliser souvent en maths. C'est pour cela donc je vous conseille de bien travailler cette leçon, et spécialement le chapitre des raisonnements mathématiques. Donc on va commencer par le chapitre 1. Qu'est-ce que ça veut dire une proposition, fonction propositionnelle, donc définition. Donc qu'est-ce que ça veut dire une proposition? Proposition est un énoncé mathématique. Est un énoncé mathématique. Bien sûr, cet énoncé mathématique a un sens, qu'il soit vrai ou faux. Si le sens de cet énoncé mathématique est vrai, on dit qu'on a une proposition vraie. Si l'énoncé mathématique, si le sens de cet énoncé mathématique est faux, on dit qu'on a une proposition, bien sûr, fausse. Ou bien, on dit aussi, si le sens est vrai, on dit que la proposition, la valeur de vérité de cette proposition est 1 ou V. Et si le sens est faux, on dit que la proposition est fausse, ou bien la valeur de vérité de cette proposition est F ou 0. Donc, c'est ça, bien sûr, qu'est-ce que veut dire une proposition. Donc, un exemple pour que, bien sûr, vous puissiez bien comprendre cette petite définition. Si on considère l'énoncé mathématique, je vais noter P de points. Donc, entre guillemets, l'équation 3x moins 4 égale à 0, admet des solutions dans N. Donc, c'est un énoncé mathématique. Qu'est-ce que ça veut dire un énoncé mathématique? C'est une phrase qui est correcte, bien sûr, et qui contient des symboles mathématiques, comme, bien sûr, cet exemple. Donc, on va voir, est-ce que le sens de cet énoncé mathématique est vrai ou faux. Donc, l'énoncé nous dit que cette équation qui est du premier degré 3x moins 4 égale à 0 admet une solution dans N. Donc, on va voir. Donc, il suffit de résoudre l'équation. Si on résout l'équation 3x moins 4 égale à 0, donc ce qui est équivalent 3x égale à 4, ce qui est équivalent, donc x égale 4 tiers. Or, 4 tiers n'appartient pas à N. Rappelons que N il contient des nombres positifs ne contenant pas de virgule. Autrement dit, N, il contient des entiers naturels, 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc, 4 tiers, bien sûr, n'est pas dans N. Donc, le sens de cet énoncé mathématique est faux. Donc, on dit que la proposition P est une proposition fausse, ou bien la valeur de vérité de P est 0 ou F. Citons un autre exemple. Donc, considérons l'énoncé mathématique, il existe un réel, vérifiant x carré moins 3x plus 2 égale à 0. Donc, considérons bien sûr cet énoncé mathématique et voyons si
bien sûr le sens de certains énoncés mathématiques est vrai ou faux. Donc, que dit cet énoncé mathématique? Il dit que il existe x qui vérifie cette équation. Autrement dit, que l'équation du deuxième degré, x carré moins 3x plus 2, égale à 0, admet une solution, au moins une solution dans R. Puisque R réel, qu'est-ce que ça veut dire R réel? C'est-à-dire appartient à R. Donc, bien sûr, on peut connaître facilement le sens. Bien sûr, en calculant le discriminant de cette équation du deuxième degré, égale B carré moins 4AC. Donc, B, c'est moins 3 au carré, moins 4, et A est égal à 1, C est égal à 2. Donc, on trouve 9 moins 8 est égal à 1, c'est positif. Donc, on a vu autant en commun que si le discriminant est supérieur ou égal à 0, bien sûr que l'équation du deuxième degré admet au moins une solution, soit une racine double, c'est-à-dire une unique solution, ou bien deux racines distinctes. Donc, puisque le discriminant est strictement positif, donc cette équation admet exactement deux racines. Donc, le sens de cet énoncé mathématique, bien sûr, est vrai. Donc, on dit que la proposition Q est vraie, ou bien la valeur de vérité de Q est 1 ou V. Donc, vous avez bien sûr remarqué que je n'ai pas déterminé la solution. Ce n'est pas la peine, puisque à partir de delta, donc on peut conclure si cet énoncé, bien sûr, a un sens vrai ou faux, mais il faut faire attention puisqu'on travaille dans R. Si on avait autre chose que R, par exemple Z, N ou D, alors on est obligé, bien sûr, de déterminer les solutions pour voir si ces solutions appartiennent ou non à cet ensemble. Comme, bien sûr, ce type d'exemple ou bien d'exercice, on va le voir, bien sûr, dans cette séance. Donc voilà, donc on peut écrire. Bien sûr, la définition. Donc, tout énoncé. Donc, une proposition. Donc, une proposition. Une proposition. Une proposition. Une proposition est un énoncé. Est un énoncé. Est un énoncé mathématique. Est un énoncé mathématique. Mathématique. Ayant un sens. Ayant un sens. Vrai. Ou faux. Et bien sûr, il y a une remarque très importante, il ne peut être à la fois vrai ou faux. Donc, qui a un sens vrai ou faux. Donc, si le sens est vrai, on dit qu'on a une proposition une proposition vraie, entre parenthèses, où la valeur, où la valeur de vérité de cette proposition, et on a deux types de réponses, V, c'est-à-dire vrai, ou 1. La même chose si le sens est faux, si le sens est faux, on dit qu'on a une proposition fausse. Ou bien, où la valeur de vérité de cette proposition est F ou 0. Et bien sûr, il faut se souvenir bien sûr de la remarque qu'on a dit, donc une proposition ne peut être à la fois vraie ou fausse, c'est très important. Donc, bien sûr, comment noter une proposition d'une manière générale? Par les voyelles, c'est-à-dire par les lettres en français, P, Q, R, S, T, etc., soit minuscules, soit majuscules. Notez souvent par, donc, soit par, bien sûr, les lettres P, Q en majuscules, R, T, etc., ou minuscule, P, Q, R, T, etc. Donc voilà, on a défini bien sûr qu'est-ce que ça veut dire une proposition. Il nous reste bien sûr des exercices. Donc, exercice. Donner les valeurs de vérité des propositions suivantes.
les propositions suivantes. Donc, le premier exercice, la proposition P, l'équation 4x carré, 4x carré moins 8x plus 3 égale à 0, admet des solutions dans Z. La deuxième, la proposition Q, la même équation, 4x carré moins 8x plus 3 égale à 0, admet des solutions réelles. Troisièmement, il existe des entiers naturels, vérifions 2x moins 5 moins 2 égale à 0. Plus 5, 2x plus 5. Donc voilà trois exercices, bien sûr. Donc, qu'on va bien sûr donner en détail la solution. Donc, pour la première question, donc passons à la solution en détail. Pour la solution, donc pour la première proposition, donc on a, comme bien sûr vous regardez, une équation du deuxième degré. Donc, l'équation 4x carré moins 8x plus 3 admet des solutions, mais il faut faire très attention à l'ensemble cité, bien sûr, dans la proposition. Là, on a Z, donc il faut faire attention. Donc, on va voir si cette équation admet ou non des équations dans Z. Donc, c'est pour cela, bien sûr. Donc, la valeur de vérité de la proposition P, donc on passe par le discriminant. Delta est égal à B, qui est moins 8 au carré, moins 4AC, A est égal à 4 et C est égal à 3. Donc, si vous calculez, donc vous trouvez bien sûr 64 moins 16 fois 3 moins 48 est égal à 16. Or, c'est strictement positif, mais attention, il ne faut pas s'arrêter dans le calcul de delta, puisqu'on n'a pas R. Donc, on doit bien sûr expliciter les solutions. Autrement dit, on doit trouver les valeurs exactes des solutions pour voir s'ils appartiennent ou non à Z. Donc, on a deux solutions. Donc, x est égal à moins b, c'est-à-dire moins 8, c'est 8. L'histoire de signe de 7, 4 sur 2a, sur 8. Donc, c'est égal à 12 huitièmes. On simplifie par, bien sûr, 4 et on trouve 3 demi. Et x2 est égal. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 3 demi n'est pas dans z. Rappelons que l'ensemble z, il contient les entiers naturels et leurs opposés. D'accord? Donc 3,5 ne figure pas parmi les éléments de Z, n'appartient pas à Z. Donc voyons l'autre solution. Donc l'autre solution, x2, est égal à 8, moins 4, bien sûr, sur 2 ans, c'est 8, égale 4 huitièmes, simplifiant par 4, égale 1,5, non plus n'appartient pas à Z. Donc aussi, n'appartient pas à Z. Donc cette équation n'admet aucune solution dans Z, donc cette proposition est fausse. Donc, la proposition P est fausse. Ou bien la valeur de vérité de P est 0 ou bien F. Donc, passons à la deuxième. La deuxième, regardez bien, à la place de Z maintenant, ils nous disent que l'équation, bien sûr, admet des solutions réelles. Autrement dit, elle appartient à R. Or, R, c'est le plus grand ensemble dans lequel on travaille. Donc, il suffit de calculer delta et voir si delta est supérieur ou égal à 0. Et puisque cette équation, déjà, on a calculé son discriminant, donc on dit comme on est dans R, on travaille dans R, et delta égale à C strictement positif, donc cette équation admet deux solutions distinctes dans R, donc pas la peine, bien sûr, de les déterminer, même si on l'a déjà fait, c'est-à-dire 3,5, 1,5. Donc la proposition, donc Q est vraie, ou bien
La valeur de vérité de Q est V ou 1. Maintenant, il nous reste la troisième. Il existe deux entiers naturels. Vérifions, bien sûr, la valeur absolue de 2x plus 5 moins 2 est égale à 0. Donc, il faut tout d'abord rappeler une propriété qu'on a déjà vue au tronc commun très importante et que je vous conseille, bien sûr, de bien l'apprendre et de bien la mémoriser. Donc, 3, donc voilà, rappel. Rappel, si on a valeur absolue de x égale à a, avec a bien sûr positive, puisque si a strictement négative, cette équation est impossible, puisque la valeur absolue est toujours positive. Donc équivalent à x est égal à a, où x est égal à moins. Donc c'est cette propriété très importante. Donc, je vais utiliser bien sûr cette propriété pour déterminer la valeur de vérité de la proposition R. Donc voilà, troisièmement, on a valeur absolue de 2x plus 5 moins 2 est égal à 0. Donc ceci est équivalent, valeur absolue de 2x plus 5 est égal à 2. Et bien sûr, si on veut appliquer bien sûr cette propriété, donc suffit de poser grand X. Cette étape bien sûr n'est pas indispensable, mais cette technique bien sûr de changement de variable est très importante. Il nous permet d'organiser le travail tout simplement, mais elle n'est pas indispensable, c'est-à-dire on peut s'en dépasser. Donc ceci est équivalent toujours, équivalent donc valeur absolue de grand X égale à 2, et on va utiliser ce rappel. Donc, le rôle joué par A, bien sûr, c'est 2. Donc, nous aurons toujours équivalent grand X égal à 2 ou grand X égal à moins 2. On va remplacer grand X par sa vraie valeur. Autrement dit, 2X plus 5 est égal à 2 ou 2X plus 5 est égal à moins 2. Donc, toujours est équivalent. Donc, 2X est égal à 2 moins 5, autrement dit, moins 3. Donc, X est égal à moins 3 demi. Mais attention, moins 3 demi n'appartient pas à n, puisque l'énoncé mathématique dit qu'il existe des entiers naturels. Autrement dit, on travaille dans n, l'ensemble des entiers naturels. Mais malheureusement, on n'appartient pas à n. Et l'autre solution, on va voir, elle aussi n'appartient, puisque moins 7 demi, ou x, bien sûr, ou x est égal à moins 7 demi. Moins 7 demi, elle aussi n'appartient pas. N'appartient pas à n. Donc, bien sûr, cette proposition R est fausse, ou bien la valeur de vérité de R est F ou 0. Donc, la proposition R est fausse. Donc voilà des exercices d'application qui sont très intéressants pour bien assimiler et comprendre qu'est-ce que ça veut dire une proposition. Maintenant, on va passer qu'est-ce que ça veut dire une fonction propositionnelle. Donc bien sûr, cette petite définition n'est pas bien sûr un paragraphe qui est indispensable, mais il faut le connaître puisque ces petites définitions bien sûr, sont indispensables lorsque vous allez passer, Inch'Allah, des concours et surtout dans la phase orale. Dans les oraux des concours, bien sûr, on vous propose, bien sûr, de définir qu'est-ce que ça veut dire une fonction propositionnelle ou bien quelle est la différence entre une proposition et une fonction propositionnelle. Donc, on doit connaître, bien sûr, notre cours, bien sûr, en détail. Donc, voilà, on va définir qu'est-ce que ça veut dire une fonction propositionnelle. Je vais bien sûr donner une petite activité qui est très importante comme introduction à la définition d'une fonction propositionnelle. Donc, si je considère l'énoncé mathématique, l'équation 2x moins 1 égale à 0, tel que x appartient à n. Si je pose maintenant la question, est-ce que vous pouvez me répondre? L'énoncé, bien sûr, cet énoncé mathématique, le sens de cet énoncé mathématique est-il vrai ou faux? Est-ce que vous pouvez répondre?
Bien sûr, si vous bien sûr, regardez bien certains anciens mathématiques, on ne peut pas confirmer si le sens de cet énoncé mathématique est vrai ou faux, contrairement à une proposition. Une proposition, on peut confirmer 100% si son sens est vrai ou faux. Alors, pour ce type d'énoncé mathématique, malheureusement, on ne peut connaître si le sens est vrai ou faux que si on remplace, bien sûr, la variable x par une valeur déterminée. Par exemple, dans cet énoncé mathématique, puisque x varie dans R, donc cet énoncé mathématique, il contient une variable, contrairement aux propositions qui ne contiennent aucune variable. Donc là, il contient une variable. Donc, lorsqu'on remplace x par une valeur déterminée, à ce moment-là, on peut préciser si le sens est vrai ou faux. Par exemple, si je remplace x par 3, bien sûr, je vais obtenir un énoncé faux. Puisque si je remplace x par 3, donc nous aurons 2 fois 3 moins 1 égale 0. Ceci est équivalent à 6 moins 1, donc 5 égale à 0. C'est équivalent. Or, 5 égale à 0, c'est un énoncé mathématique. Le sens bien, de cet énoncé mathématique, pardon, est faux. Mais si je remplace cette fois la variable par la solution de l'équation, quelle est la solution de l'équation 2x moins 1 égale à 0? C'est x égale 1 demi. Donc, si je remplace x par 1 demi, je trouve 2 fois 1 demi moins 1 égale à 0. Donc, en simplifiant par 2, 1 moins 1, donc 0 égale à 0, ce qui est vrai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une fonction propositionnelle? C'est un énoncé mathématique contenant une variable. Et on ne peut connaître si le sens de cet énoncé mathématique est vrai ou faux que si on remplace la variable par une valeur déterminée. C'est pour cela qu'on note souvent, bien sûr, une fonction propositionnelle par les notations px. Pourquoi px? C'est comme la notation d'une fonction numérique, puisqu'il dépend d'une variable. Contrairement aux propositions, on les a notées tout simplement pqr, puisqu'il ne contient pas de variable. Donc, c'est ça la différence. Donc, une proposition ne contient jamais de variable, et on peut connaître, bien sûr, et confirmer que le sens de cette proposition est vrai ou faux. Par contre, une fonction propositionnelle contient une variable. Et on ne peut connaître si le sens de, bien sûr, cette fonction propositionnelle est vraie ou faux que si on remplace, bien sûr, la variable par des valeurs déterminées. Donc, on va écrire, bien sûr, cette définition. Donc, maintenant, on va passer à 1,2. 1,2, fonction propositionnelle. Fonction propositionnelle. 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 Est un énoncé mathématique. Donc, une fonction propositionnelle est un énoncé, est un énoncé mathématique. 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 Contenant une variable au plus. Contenant une variable, notons là par exemple x, entre parenthèses, au plus. C'est-à-dire, il peut contenir deux variables au plus. C'est un ensemble mathématique contenant une variable x, et on ne peut noter souvent par px, donc px, qx, etc. Donc, pour bien sûr mettre en évidence, bien sûr, la variable. C'est pour cela qu'on note exactement comme on note, bien sûr, une fonction numérique. Et on ne peut connaître, et on ne peut connaître si le sens est vrai ou faux, que si on remplace la variable x par des valeurs déterminées, par des valeurs déterminées.
Donc voilà, bien sûr, donc on va faire des exercices d'application, donc exercice. Donc exercice. Soit la fonction, soit la proposition, la fonction, soit la fonction propositionnelle. Propositionnelle. AX. 3x moins 5 égale à 0, soit on met tel que, soit une virgule tel que x varie dans R, c'est-à-dire x appartient à R, autrement dit x varie dans R. Donc la première question, donner une valeur de x pour avoir une proposition vraie. Deuxièmement, donner une valeur de x pour avoir une proposition fausse. Donc ça, pour le premier exercice. Exercice. Donc, pour avoir bien sûr une proposition vraie, donc il suffit de remplacer la variable par la solution exacte de cette équation. Donc, bien sûr, si vous allez résoudre l'équation 3x moins 5 égale à 0, donc nous aurons 3x égale à 5, autrement dit x égale 5 tiers. Donc, on va remplacer x par la solution de l'équation qui est 5 tiers. Donc, A 5 tiers, c'est-à-dire on a remplacé x par 5 tiers. Donc, on trouve 3 fois 5 tiers moins 5 égale à 0. Autrement dit, ceci est équivalent, bien sûr. Équivalent que qu'on obtient la proposition qu'on note à 5 tiers. Si vous simplifiez, donc vous trouvez 0 égale à 0, donc c'est une proposition vraie. C'est une proposition vraie. Donc, la valeur, bien sûr, de x pour avoir une proposition vraie, c'est 5 tiers. Pour la deuxième question, on s'éloigne, bien sûr, il faut donner une valeur, s'éloigner de la solution, et n'importe quelle valeur, bien sûr, qui est différente de 5 tiers, répond à la question. Donc, on prend par exemple x égale à 1, donc nous trouvons une proposition fausse à 1, puisque si on remplace x par 1, nous trouvons 3 moins 5 égale à 0. Or, ça, c'est moins 2. Moins 2, il est différent de 0, donc c'est une proposition fausse. Donc voilà, je termine par un autre exercice contenant plus qu'une variable. Donc, exercice numéro 2, soit la fonction propositionnelle. Donc, je vais la noter, bien sûr, il contient deux variables. Donc, ANM. N plus M est égal à 7. Tel que, ou bien virgule, nm, tel que nm appartient à z. Donc, regardez bien que, bien sûr, cette fonction propositionnelle, elle contient deux variables, n et m. Donner une valeur du couple nm. Pour avoir une proposition vraie, et donner une valeur du couple NM pour avoir une proposition fausse. Donc, bien sûr, pour avoir une proposition bien sûr vraie, donc il faut chercher une valeur bien sûr de NM, telle que si on remplace NM par cette valeur, on trouve 7. Donc, bien sûr, on fixe une variable et on cherche l'autre, ou bien on donne bien sûr directement. Donc, par exemple, si vous donnez à n 3, donc nous aurons 6, donc il nous faut 1, donc m, on lui donne 1. Donc, on va prendre nm est égal à n, on va lui attribuer la valeur 3, et m, on va lui attribuer la valeur 1, et nous aurons, donc on aura. Donc, on aura une proposition vraie qui est à 3, 1. Donc, nous aurons 2 fois 3,
2 fois 3 plus 1 égale à 7, puisque 7 est égal à 7, donc c'est une proposition vraie. Et pour la deuxième, bien sûr, donc on donne deux valeurs distinctes, mais il faut respecter, il faut que ce soit dans Z. Si je prends par exemple le couple NM est égal à moins 1, donc N est égal à moins 1, M est égal à 1, donc on aura la proposition moins 1, 1, si vous remplacez, donc 2 fois moins 1, donc c'est moins 2, plus 1 est égal à 7. Autrement dit, donc moins 1 est égal à 7, ce qui est faux, donc c'est une proposition fausse. Donc voilà, on a terminé cette séance, donc j'espère que vous avez bien compris, bien sûr. Il nous reste, bien sûr, à la fin, donc des exercices qui sont très importants, donc n'oubliez pas ce qu'on a dit, bien sûr, de s'abonner, bien sûr, et de partager avec vos amis et le groupe dont vous êtes inscrit. Et merci infiniment.